Hey, what's up tout le monde? Bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, c'est le Bungie Day et donc Bungie a décidé de faire gagner un titre exclusif à tous les joueurs, donc un titre pour l'année 1, pour les gros joueurs de la première année. Donc ça y est, on sait comment l'obtenir, il faut remplir plusieurs objectifs. Avant tout, il faut se rendre sur bungie.net pour connaître un petit peu ses objectifs. Donc vous voyez, j'ai pris un screen tout simplement parce que le site à l'heure où je vous parle, il est vraiment surchargé, toute la communauté Destiny et dessus, donc vous voyez déjà que l'interface du site a complètement changé. Et vous voyez ce nouveau message, donc moment de triomphe, donc pour patienter avant The Taken King, etc. Bungie vous permet de gagner un emblème exclusif, donc dans le menu triomphe, etc. Donc vous cliquez sur je veux y aller, et là vous tombez sur ce site, donc vous voyez à l'écran, voilà, ce site tout simplement. Donc là vous voyez qu'il vous restera 2 mois, 3 jours et 7 heures avant de pouvoir remplir ses objectifs. Donc là vous voyez, moi j'ai eu la chance de tout remplir déjà, sans faire exprès bien évidemment, en jouant normalement, mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les quêtes, en quoi donc ça consiste. Donc tout simplement, tout d'abord il faut avoir au moins un personnage qui soit rang 20, donc qui atteint le rang maximum. Donc ça, il faut finir toutes les missions, etc. Je pense que ça, beaucoup de personnes l'ont fait. Après, il faut avoir fini la mission, donc le Jardin Noir. Ensuite, il faut avoir tué Cropta. Ensuite, il faut avoir capturé Skolas dans la dernière mission, donc du dernier DLC, donc bien dans la dernière mission, hein, pas dans la prison des vétérans. Ensuite, par contre, il faut avoir fini la prison des vétérans en mode difficile. Il faut avoir fini Athéon en mode difficile également. Il faut avoir aussi vaincu Cropta en mode difficile. Il faut avoir fini 50 événements publics. Il faut avoir aussi fini 100 partie de l'épreuve et bien sûr les avoir gagnés, donc remporter 100 parties de l'épreuve. Et enfin, pour finir, il faut avoir trouvé tous les coffres dorés, voilà. Et vous gagnerez donc ces magnifiques titres. Donc vous voyez, moi je l'ai gagné. Je peux pas vous mettre en fait de screen parce qu'il y a également le jeu qui plante en ce moment. Donc voilà, vous saurez comment avoir cet emblème magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous pensez du titre. Et n'hésitez pas aussi à me dire où vous en êtes dans vos quêtes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!